savoir à quoi ressemble un échange international en Slovaquie au sein de l'IUT de Cergy-Pontoise, vous allez cliquer sur la bonne vidéo. La Slovaquie se situe en Europe et vous serez au sein même de la capitale de la Slovaquie, Bratislava. C'est une ville dynamique concentrant de nombreux étudiants. Plusieurs monuments sont à visiter au sein de la Slovaquie. Le château de Bratislava, le Devin Castle, qui sont deux grands châteaux offrant une vue imprenable sur la Slovaquie. Vous pourrez aussi visiter des lieux comme le vieux Bratislava, ainsi que Košice, qui est la deuxième plus grande ville de Slovaquie. A noter que si vous vous procurez la carte étudiante EZIC pour un montant de 22€, vous bénéficierez de trains gratuits dans toute la Slovaquie. Et vous aurez aussi de nombreux avantages. Bratislava est une ville très bien située, car elle est frontalière de plusieurs grandes villes, telles que Vienne en Autriche et Budapest en Hongrie. Vous avez l'exemple d'anciens étudiants qui ont pu profiter d'un week-end en Hongrie pour un coût de seulement 8€ en train aller et retour. Vous avez aussi la possibilité de visiter d'autres villes à bas prix, telles que Prague en République tchèque, Varsovie en Pologne ou même Zagreb en Croatie. Et quoi de mieux d'approfondir l'anglais avec des cours 100% en anglais. En plus, vous serez avec plusieurs autres étudiants venant de l'étranger. Vous parlerez donc l'anglais avec tous les autres étudiants. Vous découvrirez aussi une nouvelle manière d'enseigner. Ici, vous serez noté par lettre et non sur 20. Je m'explique. Si vous obtenez un A, B, C, D ou E, vous avez validé la matière. Et si vous échouez, vous obtenez la note FX. Il est plus simple d'obtenir une bonne note, car un D équivaut à un 7 en français. Vous êtes très certainement en train de vous dire « c'est génial, mais le prix doit être tellement élevé !» Eh bien non, le prix est moins cher que les autres destinations. Bratislava fait partie de l'Europe. Il faut prévoir un budget total d'environ 3000€, sans compter la bourse Erasmus dont vous bénéficierez. En plus, pas de problème de taux de change, car la monnaie est l'euro. Notez bien aussi que la vie à Bratislava n'est pas très chère. En conclusion, partir étudier à Bratislava est une expérience enrichissante qui vous permettra de progresser en anglais et vous apportera une réelle plus-value sur votre CV. N'hésitez pas à venir en commentaire ou en message privé pour poser toutes vos questions. Nous nous ferons une joie de vous répondre.